Ok, c'est bon. Dans le dessin. Dans le parcours. Oui. C'est bon. Voilà. Ah pardon. Mais trop et puis large. C'est couleur bleue. C'est couleur bleu pâle. Il les aime pas. Ah. Il est plus gros. Ah ouais. Il va ça. Il va pour une combien. C'est 25 cm. Je filme quand il taille pour faire voir à l'employé comment on taille. Mais tout le monde ne taille pas à cette vitesse en Chine. Il faut séparer les étagères. Ouais, mais elle ne sait pas tailler. Puis alors, il faut voir la vitesse. Hein. Elle, elle en a pour une demi-heure pour tailler. Tout le monde veut l'employer. Et Rao, il veut le faire aller en étagère. 30 douleurs. 200 balles. J'aime bien le premier, la plage. Le premier, oui. C'est 45, mais c'est des spéciales, hein, c'est pas des standards, c'est pas le taille des standards. Après, comment le, demander le plus tôt plus aussi. Parce qu'il faut faire la demande. Ouais, mais moi j'ai trois filles, moi, faut lui dire. Ah, trois filles. T'as ressemblé, il va aller avant qu'à venir. Des blondes, hein. Des jolies blondes, hein. C'est des jolies blondes. Moi, les gens, c'est un peu plus de l'aide. Tu as changé la gilet. Que valait qu'est-ce que ça? Tu veux deviner? Tu devines? Il est jeune, hein, Jacques? Combien? Oui. Combien tu donnes? Combien tu donnes? C'est un. Oh, jeune à côté de regarder filmer. Parce que ça, on peut changer les potes en dépôt comme ça. Oui, mais c'est d'un lettré vous fait une cascade en 5 minutes. C'est un pot très haut. Il faut compter au moins attends, le temps que vous rentrez. Le 20, à partir de 20 août, au moins, non, plus que ça. 20 août. Moi, je filme et puis je ferai voir aux Français. Je dirais, voyez un peu comme il remporte là-bas. Vous voyez, on avait fait une exposition un jour. Ouais. Il y avait un gars qui vendait du bonsaï comme nous. Nous sommes dans la pépinière de Monsieur Huang, au sud de Canton. C'est la plus grosse pépinière de bonsaï de Chine. Préparation pour l'export. Toute la terre doit être retirée. Les montagnes. Pourquoi il n'y a pas de terre pour le tout? On dirait que le travail est, hein?